Mesdames, Messieurs, chers amis, cher Christian de Penzamparc, c'est dans notre ville en pleine métamorphose que vous connaissez bien et à laquelle vous participez que nous vous accueillons ce soir. Une ville qui poursuit sa mue depuis près de 4 décennies et l'exposition du célèbre Raymond Depardon au sein de notre musée illustre brillamment cette trajectoire de chenille à papillon. Elle est le résultat de l'immense chemin parcouru au fil de toutes ces années pour faire de notre territoire un modèle durable, responsable, solidaire, citoyen, qui rayonne par son extraordinaire attractivité. Nous avons donc l'honneur d'accueillir ce soir, en notre hôtel de ville, le talentueux architecte Christian de Penzamparc. Vous êtes, cher Christian, un architecte et urbaniste éminent, le premier lauréat français du prestigieux prix Pritzker d'architecture. Réputé pour vos réalisations de salles de concert, les formes audacieuses que vous vous plaisez à imaginer, une démarche créative de peintre aquarelliste, votre style est reconnu pour ses qualités originales. Après des études à l'École nationale des beaux-arts de Paris, vous créez votre atelier en 1980 et devenez célèbre avec la construction de la Cité de la musique en 1995, un projet de taille initié à l'époque par François Mitterrand. Vous comptez parmi vos œuvres majeures la tour LVMH à New York sur la 57e avenue en 1999, l'ambassade de France à Berlin en 2003, la Philharmonie Luxembourg, 2005, le musée Hergé à Louvain-la-Neuve, 2009, la Cité des Arts à Rio, en 2013, ou encore tout récemment, Paris La Défense Arena, 2017. Architecte pragmatique, vous ne faites pas de la forme la seule essence de vos conceptions, qui doivent toujours se confronter à la réalité de leur usage, à la capacité d'ouvrir à des sentiments poétiques et à une connexion avec le site de construction existant. Et vous ne comptez pas vous arrêter en si bon chemin, puisque d'autres projets sont en cours de réalisation, à l'instar du Grand Théâtre de Casablanca et 2 projets de grande envergure en Chine, le Centre culturel de Suzhou et un opéra pour la ville de Shanghai. Vous n'avez jamais séparé architecture et urbanisme. Cette ambition sans cesse renouvelée dans votre travail de construire un quartier davantage qu'un édifice correspond parfaitement à l'ADN qui définit ici Moulineaux. Vous avez d'ailleurs su le prouver à maintes reprises sur notre territoire. J'en veux pour preuve les fantastiques réalisations Galéo, siège de Bouygues Immobilier, qu'on voit ici sur votre slide, Lemnis, siège du groupe La Poste, ou encore Quartz, le diamant élancé aux 1000 facettes, siège du groupe Colas, qui chacun définissent leur quartier. Tous ces projets s'inscrivent dans les questions d'urbanisme et de conception de la ville du futur qui vous tiennent à cœur. Vous vivez l'architecture comme un miroir de la culture. Vous avez également contribué au renouvellement de la vision de la structure urbaine à travers votre méthode de conception dite de l'îlot ouvert et dont le quartier Masséna à Paris est un parfait exemple. En récompense de l'ensemble de votre travail, vous recevez le Grand Prix de l'urbanisme en 2004 et devenez le premier titulaire de la 53e chaire du Collège de France dédiée à la création artistique en 2006. Enfin, le 23 octobre dernier, à Tokyo, le prince Hitachi, frère de l'empereur Akihito, vous a remis le prix du Premium impérial dans la catégorie architecture. Avec votre femme Elisabeth, ici présente, vous partagez l'agence 2 Penzamparc, réalisant des ouvrages exceptionnels aux 4 coins du monde. Avant de vous laisser la parole, cher Christian de Penzamparc, il me faut vous rappeler que le cycle des entretiens d'ici se poursuivra dès le 6 juin prochain, avec les sœurs Mikou, qui viendront présenter leur vision de la ville de demain. C'est elles qui ont réalisé la piscine Feng Shui.
Il me reste à vous souhaiter, à toutes, à tous, une agréable et enrichissante soirée. Bonsoir. Un grand merci, cher André Santini. Je voudrais dédier cette conférence et ces propos à vous-même, vous, le bâtisseur, qui êtes en train de faire pencher aujourd'hui le magnétisme de notre capitale et de notre Grand Paris vers ici. Ça penche sérieusement. Beaucoup plus de gens, des gens viennent, nombreux. Victor Hugo est devenu d'actualité avec Notre-Dame. Lui qui aima et redonna une deuxième vie à la cathédrale, il pensait, il écrivait « Ceci tuera cela ». Le livre tuera l'édifice. L'imprimerie tuera l'architecture. Victor Hugo voyait que la puissance, le génie du langage dominerait pour nous et prendrait la place qu'occupait l'architecture pour dire et symboliser notre histoire. En ce moment même, votre conscience d'exister est faite du langage. Le langage nous constitue. Votre monologue intérieur, ou le fait de même entendre ce que je dis, fait de vous des êtres de langage. Nous sommes tous dans le langage. Et pourtant, nous sommes aussi, et peut-être plus profondément, de façon plus naïve, infantile, physique, essentielle, nous sommes des êtres d'espace. C'est ce que vous ressentez, ce que nous ressentons, en l'oubliant à chaque instant. Notre conscience d'être en vie, c'est d'être dans un espace, de se souvenir que pour aller chez nous, on va rentrer, on va passer par tel ou tel endroit. C'est une chose presque animale. Votre conscience d'exister est là. La ferveur qui a entouré l'incendie de Notre-Dame nous rappelle l'importance que peut revêtir pour tous une architecture. Et votre présence ce soir prouve l'intérêt que vous y portez. Et c'est rassurant, parce que souvent je pense effectivement que le langage domine. Nous voyons aujourd'hui par exemple le numérique, qui est vraiment né du langage, dominer, nous conduire à l'intelligence artificielle. Et à la suite de ce qu'était le livre au XIXe siècle, nous voyons l'image, l'écran, le téléphone portable s'imposer, nos messages incessants envahir notre relation au monde. Beaucoup de gens maintenant se mettent à marcher et à naviguer pour fuir ce vacarme de numérique. Alors les nécessités pratiques nous obligent à être encore des êtres d'espace, heureusement, alors que ce numérique s'immisce partout. On peut dire que ça nous oblige à vivre dans la ville et je dirais que l'espace, les bâtiments nous sont habituels, presque lassants. On est habitué tellement, on n'y pense plus. Dans cette ville, nous sommes des êtres d'espace, nous sommes sur le périphérique, dans le bus, dans les rues, on marche, on est en mouvement dans des couloirs dégagés ou pas. Qu'est-ce qu'on voit? C'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence « Que voyons-nous de la ville ?» On voit l'accumulation des choses, des véhicules, des arbres, des immeubles, des signaux, des tas d'objets. Nous voyons des objets et des parois, des murs de façade. Ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne voyons plus, c'est le vide entre toutes ces choses-là. Comme disait Lao Tzu, notre maison, ce n'est pas les murs, ce n'est pas le toit, ce n'est pas le sol. Notre maison, c'est le vide entre ces choses, parce que c'est là que j'habite. Je dis ça parce que quand on est architecte, urbaniste, paysagiste, on est amené à réfléchir d'abord à ce vide et pas aux objets, alors que toute notre civilisation est avec les objets. Nous avons une inconscience de la perception de ce vide. Nous voyons, comme ici vous le voyez, les parois des rues, nous voyons des objets dans l'urbanisme plus contemporain, plus moderne, c'est souvent un problème. Nous voyons, vous voyez à droite des rues, à gauche des objets. Je dis que c'est une inversion, vous voyez ce que j'ai mis en orange, c'est pour montrer que d'un côté vous avez une perception du vide et de l'autre vous avez une perception d'un objet. Notre perception de la ville a été un peu retournée comme un gant au milieu du siècle, au milieu du XXe siècle. Alors j'ai intitulé donc cette conférence « Que voyons-nous de la ville ?» et ce sera une entrée non académique. Vous voyez, à gauche, on voit une rue, un dessin de Serlio, ancien, XVIe siècle. Et à gauche, le milieu du siècle, quand je commençais à travailler à Marne-la-Vallée,
pour dire les Russes sont devenus des routes et nous ne voyons plus, nous n'avons pas cette intimité de toutes ces façades, nous avons des grands objets qui se suivent, plus ou moins intéressants, plus ou moins ordonnés, autoritaires presque. Donc parler, que voyons-nous de la ville ? Je disais, ce serait une entrée non académique pour parler de l'architecture, non conforme à l'enseignement ou à la formation que l'on donne aux architectes, où l'on insiste évidemment sur l'utilité. On dit aux architectes, attention, ce n'est pas un métier esthétique, ce n'est pas que artiste, ce n'est pas des caprices, ça sert à quelque chose. Il faut savoir construire, il faut savoir faire des locaux qui soient utiles. On insiste là-dessus et on a raison. Je voudrais regarder ce soir succinctement, en fait, le passé, notre passé du XXe siècle, celui du XIXe, et puis notre actualité, sous cet angle de, qu'on pourrait appeler le paysage architectural urbain. Qu'est-ce qu'on voit ? En général, on parle des plans, on parle des usages, on ne parle pas d'abord de ce qu'on voit de l'extérieur, parce que ce n'est pas ce qu'on conçoit tout à fait en premier. Pourtant, c'est devenu si important. Un paysage, c'est défini comme une vue. Je lis dans le Wikipédia, paysage, une vue, une position de l'espace, une vision de l'espace terrestre perçue par les sens humains. Donc vue, odorat, toucher. Un paysage architectural de la ville. Et les enseignements, comme je le disais, portent sur la construction, la composition, l'assemblage. Tout le 19e siècle, l'enseignement consiste à parler de composition. On compose des volumes, on compose des façades peut-être, on compose surtout des espaces intérieurs, des grandes couloirs, des galeries, des escaliers, on les assemble. Le paysage urbain est considéré par ces auteurs, les gens qui sont les théoriciens de cette époque au 19e, ils considéraient par exemple l'un qui s'appelle Gadet. Nous avons eu tous le livre de Gadet quand j'ai fait mes études à moitié dans le 19e siècle, puisque l'école des beaux-arts des années 60 était encore l'école du 19e siècle. C'était une survivance dans le monde. Il trouvait que Gadet, il disait, la place de la Concorde, c'est une composition. Oui. Mais la place Saint-Marc à Venise ou la Seigneurie à Florence, c'est l'œuvre du temps. On ne peut pas composer, c'est le temps qui fait. C'est le temps qui fait les merveilles. Alors au 19e, vous voyez, on composait avec l'idée de axe, symétrie, pièce principale, secondaire, continuité. Et pour les façades, il y avait une grammaire presque constante depuis la Renaissance, un système qui refusait l'à peu près, qui refusait le gothique. Toute notre architecture qu'on connaît depuis 4 siècles s'est construite contre l'architecture gothique, un retour à l'Antiquité, et dans un travail qui porte beaucoup sur la modénature. La modénature, c'est tous ces reliefs que vous voyez dans un bâtiment. Et Paris, le Paris haussmannien et plus ancien, c'est un travail sur la modénature. Alors je voudrais en parler un petit peu aujourd'hui, en prenant comme base l'immeuble Galéo que nous avons fait ici, qui paraît-il va avoir bientôt 10 ans. J'ai l'impression que c'est 6 mois, ça passe vite. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit sur cette image, on voit deux matériaux et deux bâtiments en fait, parce que c'est organisé comme une rue, vous le voyez, et puis François Berthier, qui était le président de Bouygues Immobilier, me dit « je voudrais que vous fassiez notre siège ». Donc il y avait un bâtiment siège à l'entrée, et le reste c'est du bureau que nous allons vendre ou louer. Ce qui fait qu'on a en fait 3 immeubles qui se suivent, 2 qui sont une continuité de rue assez sage, et puis l'immeuble siège qui est un objet très particulier. Alors je voulais me dire, comment vous revoir avec vous comment on travaille un architecte. Pour un architecte, il y a d'abord un terrain, un lieu plus ou moins vierge, un site, puis des besoins, un programme. Donc, une certaine masse à construire, un règlement, une hauteur possible, un voisin, des impératifs de règlement, des techniques à satisfaire évidemment, l'étanchéité, l'aération, la luminosité, une visibilité. Alors c'était le cas du siège de Bouygues. Il me demandait que ce soit visible, qu'on remarque où il est. Il est un peu coincé derrière de bâtiments plus grands, mais néanmoins on le voit. La masse qu'il faut construire quand nous nous trouvons devant un programme,
c'est du plein. Mais j'ai parlé du vide. Le plein, c'est l'envers du vide. Et il y a toujours du vide, de l'air, de la lumière à réserver au sein du projet ou autour. Quelle répartition? Combien de morceaux? On se demande assez vite si on fait un objet ou si on en fait deux ou trois ou quelquefois c'est six. On subdivise le programme. Et on va voir que cela, ces opérations, elles ont toute une histoire théorique dans nos trois siècles dont je parlais. Combien de morceaux? Qu'est-ce que l'unité et qu'est-ce que le pluriel? La dimension de ces masses, de ces objets, est dictée forcément par la lumière, par la respiration dont on a besoin à l'intérieur, puis par la structure, l'importance et la longueur des poutres que nous pouvons faire, des points porteurs. Alors ce sont comme des objets. J'ai dit objet pour le siège de Bouygues Immobilier là tout à l'heure. Vous voyez cet immeuble de verre. Je vais revenir dessus. Jamais au XIXe siècle, on aurait parlé d'un immeuble en disant un objet. C'est une notion qui est vraiment née au XXe siècle avec la révolution industrielle. On a donc ici un objet et puis une rue, des immeubles qui sont alignés le long de la rue. Et ce petit détour dont je parle, en fait, c'est pour essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qu'on travaille et qu'est-ce qui est l'actualité de tout ce travail qui est finalement important pour la perception de la ville. J'ai dit qu'on percevait souvent, classiquement, dans Paris, dans Barcelone, on perçoit des rues. Ici, c'est Paris. C'est un système de rues qui date, évidemment, on le sait, de Milet et de Pompéi, de la Grèce et de Rome. Ici, avec le plan fameux de Cerdà à Barcelone, vous avez ce système d'îlots et les immeubles sont accolés. C'est très simple, ce sont des immeubles mitoyens. Ici, on voit l'ancêtre de cela, c'est la rue à Pompéi. Et on sait qu'elle est née à Milet, quelques 500 ou 600 ans avant notre ère, avant Jésus-Christ. Et c'est une invention, la rue. C'est une invention. Avant, la médina, c'était des couloirs que l'on taillait entre des cellules agglomérées. Vous connaissez les médinas, elles existent encore. Et l'idée de la rue, c'est de prédéfinir qu'est-ce qui va être public, qu'est-ce qui va être privé. C'est intéressant. La res publica, la chose publique qui est la rue, a été vue comme, pour la première fois, comme devoir être pensée avant. On parle rarement de la pensée grecque en se référant à ce fait. Je trouve qu'il est très important. Il montre bien, il est en cohérence avec toute la pensée de la démocratie des Grecs. C'est très intéressant parce que au XXe siècle, vous le savez, Le Corbusier a déclaré la mort de la rue. Il a dit que c'était un outil dépassé. Donc on va y revenir. Nous sommes aujourd'hui, où je travaille depuis le début de mon travail d'architecte, au contraire, à reprendre la rue en disant que c'est un outil qui nous assemble tous, est un outil qui a un immense avenir, c'est une méthode pour vivre ensemble, pour faire la ville, qui n'a pas trouvé de mieux. Et que là où la rue a été abandonnée, je pourrais citer des dizaines d'exemples, l'urbanisme est difficile, catastrophique, parfois on ne sait pas comment on pourra réarranger les choses. Camille aussi, au 19e, parle que de ça, de la rue, comme une chose évidente. Palladio, quand on l'interrogeait sur la plus belle ville, il répondait « c'est la rue la plus large, la plus longue et la plus droite ». Il était en train de faire ses travaux à Vicence et il pestait un peu parce que la rue dans laquelle ils sont n'est un peu tortueuse, n'est pas très large, n'est pas toute droite. Vous voyez, pour Palladio, on dit que la plus belle ville, il répond la rue. Parce que la rue, pour lui, c'était la ville, il n'y avait pas autre chose. Et il a fallu, le XXe siècle, quand on nous l'a enlevé, pour qu'on comprenne que c'était essentiel, la rue. Alors, je montre ces photos, par exemple, là, le Louvre, pour dire que pendant tout le XIXe siècle, le travail de modénature, le travail de, en quelque sorte, sculpter, donner des reliefs aux façades, puisqu'ils sont sur rue, vous voyez, était le travail essentiel de l'architecture. C'était le territoire de l'architecture. Et vous avez, c'est très très fort à Paris, c'est dans la plupart des villes. Et je passais devant le Louvre l'autre jour, je prends cette photo en me disant, au fond, toute cette histoire de modénature, on en a là évidemment un exemple un peu grandiose. Vous voyez, je dis, c'est l'architecture apparaît une grande affaire de surface, de peau, un jeu de simulacre, je me disais, pour montrer des colonnes, pour montrer des arcs, des frontons, qui ne sont pas là, qui n'ont pas de raison d'être là. Ce n'est pas des temples, les colonnes ne portent rien, ils sont ajoutés. C'est des choses qu'on a ajoutées
qui sont très étonnantes, parce que derrière, bon, vous avez des grandes salles, vous n'aviez pas besoin de tout ce travail, vous voyez des faux frontons partout. On dirait, et c'est la vérité, que le temple grec est devenu une telle obsession qu'on en a mis des bouts partout. C'est très étrange. En même temps, notre goût est formé à ça et on reconnaît que c'est magnifique. Vous voyez, et image de Paris, la mode est nature. Les balcons donnent lieu à des sculptures. Tout est fait pour trouver ces reliefs. Voilà encore du néo-haussmannien avec tout un jeu de boursouflures. Il y a un travail. Tout l'argent est mis dans cette façon d'organiser une peau. Alors je dis ça parce que c'est tout le contraire de ce que j'ai appris. Tout le XXe siècle s'est opposé à ça. Ça a continué longtemps. Et il y a des grands exemples comme Gaudi. Et ici à Manhattan, en 1912 ou 16, quand là le Flatiron, quand ces immeubles ont été faits, ces tours, eh bien, c'est toujours la même logique de mode et nature. Les architectes sont formés à l'École des Beaux-Arts de Paris. Dans le monde entier, on dit l'École des Beaux-Arts de Paris, c'est la naissance de l'architecture, c'est le modèle. Ça ne va pas durer, mais c'est encore vrai au début du XXe. Et tout le monde apprend à faire des modèles nature, souvent très belles, d'ailleurs aux États-Unis, souvent en terracotta, pas toujours des sculptures en pierre. Ils avaient appris à mouler des éléments de sculpture. Et puis, quelque chose qui va être essentiel, qui là on rentre dans notre histoire plus récente, eh bien, c'est la révolution industrielle. Elle fut aussi une immense révolution artistique. Bien sûr, vous le savez, en peinture, le début du XXe siècle, c'est sans cesse, tous les ans, il y a des avancées créatives. Mais sur l'architecture, la révolution industrielle apparaît à quelques auteurs. Je vais citer là Loos, Gropius et Le Corbusier. Le Corbusier a été peut-être celui qui a écrit avec le plus de vigueur. Il a vu au XIXe siècle la machine à vapeur qui est rentrée dans le paysage. La technique effraie certains, enthousiasme d'autres. Il y a des débats autour de la technique. Vous savez peut-être que quand Eiffel fait sa tour, quelques années en plein dans cette révolution industrielle, on lui dit « Oui, d'accord, elle va très haut, mais c'est pas beau. » On lui a recommandé un architecte des bâtiments historiques pour le conseiller. Et l'architecte lui a dit, il faudrait mettre une arche. Et donc, Eiffel a mis, qui l'a dessiné, c'est peut-être cet architecte, il a mis un arche qui est suspendu à la tour. Le grand arche que vous avez en bas de la tour Eiffel ne sert à rien, structurellement. Tout tient sans cette arche. Eiffel l'a rajouté en disant, mais vous avez raison, il y a le commissaire de la beauté est venu, il me recommande ça, j'ajoute ça. Maintenant, nous sommes tellement habitués à la tour comme ça que si vous enlevez l'arche, on dirait qu'il lui manque quelque chose. C'est curieux et c'est mystérieux, vous voyez. Mais d'un point de vue théorique, ce que je vous montre là, c'est un livre qui s'appelait « Vers une architecture ». Je ne sais plus la date exacte comme ça, mais c'est 21 ou 22, c'est très, très, très tôt. Après la Grande Guerre, très important, Le Corbusier était impressionné par les avions de la guerre et la technique de la guerre. La machine impressionnait toute une génération. D'un côté, il y avait l'industrie avec le Fordisme et les machines qui faisaient tourner les ouvriers plus vite. Et là, il présente dans ce livre, à gauche le Parthénon, en haut le Parthénon, pardon, en bas deux voitures. Peut-être une Renault et une Daimler, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Mais voilà, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, la beauté d'aujourd'hui, c'est en bas. En haut, c'est magnifique. Il a passé 15 jours, tous les jours en montant sur le Parthénon quand il était jeune, en 1907. Il a dessiné sous tous les angles. Il a dit, j'ai vu le Parthénon, c'était une commotion, un choc cérébral. Voilà comment il parlait. Et puis après, il dit, mais la voiture, l'objet technique, c'est extraordinaire. Quelque temps avant, Loos a écrit un livre qui s'appelle « Ornement et crime ». Et il dit, tout un plaidoyer, en disant, l'ornement, c'est affreux. Et tout ce que vous avez vu avant, les choses de mode et nature, Gaudi, tout ça, il trouve que c'est des boursouflures gratuites, inutiles, des dépenses d'argent prétentieuses. Il y a toute une génération qui s'oppose à l'ornement, s'oppose à toutes ces modernes natures de façade. Loos, dans son livre, qui est formidable dans son écriture, il dit ce qu'il y a de plus beau, vous savez, aujourd'hui, c'est la plomberie des Anglais, leur costume et la bicyclette.
Il trouve la bicyclette, et c'est vrai, il trouve la bicyclette une perfection esthétique, que tout est utile là-dedans, il n'y a rien en trop. Alors ça commence à tourner dans la tête des gens. Apollinaire écoute ça. Et Duchamp et Dada et tous ces gens-là sont imprégnés de cela après la guerre. Donc il y a eu une grande transformation après la Première Guerre. Je mets les avions parce que le Corbusier l'a dit, ça l'a beaucoup fait réfléchir sur la vision du monde futur. C'est ces machines qui volent. Là aussi, un avion, évidemment, rien n'est gratuit. Et puis il dit, c'est tout utilitaire et c'est très beau. Donc il se dit, mais c'est ça notre futur. Et il va aller jusqu'au point que là, il nous fout la mort de la rue. Et là, je dis, il a été trop loin. Vous voyez, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais l'objet technique parfait, c'est l'automobile. Cette automobile, il faut la faire marcher le mieux possible pour que les villes marchent, pour qu'il y ait la mobilité, comme on le dit aujourd'hui. Donc vous voyez dans ce dessin, sur la droite, vous voyez à gauche, il dessine le plan de Paris avec les rues en noir. Puis à droite, il vous dit la ville qu'il veut faire, où il y a des grandes voies rapides toutes droites et puis des grands îlots qu'il appelle des secteurs. Et je dis que moi, ça, c'est redoutable parce que c'est un peu en rectiligne ce qu'on a fait dans beaucoup de villes nouvelles, c'est-à-dire vous avez des voies rapides ou des autoroutes, vous sortez par une bretelle, vous entrez dans une zone où il y a 4000 logements et tout est desservi par des voiries en boucle ou des voiries en peigne, vous savez, et on ne trouve pas. Et si on a fait la mauvaise sortie, il faut retourner, il faut retrouver. Vous avez quelque chose de terrible. Alors que dans le système des rues, vous pouvez tourner à droite deux fois et vous retrouvez l'endroit. Vous avez un système où tout est lié. Les Grecs disaient, il faut relier Hestia et Hermès. Il faut relier la maison Hestia et Hermès, le voyageur, le messager, la route, le voyage. Il faut relier les deux, c'est la base de la ville. Là, je vous montre Hannes Meyer, qui a dirigé la fin du Bauhaus, qui était extrêmement radical et qui disait, voilà, les besoins humains, c'est l'essentiel. Il a écrit que dans le futur, on ne se préoccuperait plus des aspects extérieurs. Vous voyez, c'est ce dont je me préoccupe dans cette conférence. Je prends le truc à l'envers parce que, comme vous dites, dans l'enseignement, on n'apprend pas à s'occuper d'abord de l'extérieur. Et on a raison. Mais là, il dit, on ne se préoccupera plus de l'extérieur, des effets extérieurs, comme dans les époques bourgeoises. On saura s'occuper des besoins humains. Et simplement, en résolvant les besoins humains utilitaires, ce sera beau. Entre guillemets, comme les avions, si vous voulez. Il n'y a que des besoins, on les résout, et c'est beau. Alors voilà, on a beaucoup cru à ça. Moi, j'étais élève de Georges Candilis, et il disait la même chose. Il nous critiquait. J'ai commencé à faire des dessins où j'avais des obliques, des angles pas droits, des courbes. Et il me disait, mais je ne comprends pas pourquoi cet angle pas droit. Et il me disait... Il se retournait vers tout l'atelier et il disait, il faut que vous compreniez une chose. L'architecture, ce n'est pas un art. C'est une technique. Alors moi, je commençais justement, au contraire, à me dire que c'était un art et qu'il était important de réfléchir à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, dans ce dessin, vous voyez Hannes Meyer et vous voyez une image de la ville qu'il prenait, c'est-à-dire être efficace, faire des très grands collectifs, faire une très grande avenue pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage, faire des socles, vous voyez, énormes, où on a tous les commerces. Bref, c'est une ville qui, déformée, est apparue. Alors, je voudrais dire, les années 20 ont été le laboratoire pour tous les architectes du monde de cette modernité. Et au départ, elle ne ressemble pas à ce que vous venez de voir dans Hannes Meyer. Elle ressemble à ceci. Ce sont des projets de Adolf Loos. Vous voyez, il dit la symétrie, c'est plus nécessaire, il n'y a pas de raison, c'est fonctionnel, il n'y a pas de modèle nature, donc on a des murs blancs, pas de moulures, juste des surfaces blanches. Malestevens, même époque, même style, blanc. Le Weissenhof, c'est une exposition à Stuttgart en 1927, où il y a une quinzaine d'architectes les meilleurs de l'époque, d'Europe, qui sont conviés. Et tous vont faire des bâtiments blancs avec des menuiseries en acier noir. C'est intéressant parce qu'ils convergent tous vers la même chose. Sans se parler, hein, ils sont tous dans cette idée. Voilà, il faut arriver à la pureté, la simplicité. On dit juste les besoins. Et ça a fait des bâtiments qui sont très beaux et qui sont appréciés. Là, je vous montre un plan de ce Weissenhof. Le Corbusier, Gropius sont là-dedans.
Et ça, c'est une des maisons de Le Corbusier les plus, parmi les plus célèbres, la Villa Savoie. Vous voyez ici un dessin de Le Corbusier qui dit il y a quatre manières de faire. Et en haut, vous voyez, il est dans les volumes, l'assemblage des volumes, plusieurs volumes. Toute cette modernité, elle est là-dedans. Après, il dit oui. Il a commenté chacun de ces exemples en disant ça, c'est très facile, ça, c'est difficile, ça, c'est exigeant. C'est quatre modèles, si vous voulez. Le troisième, c'est la trame constructive domine et dedans, on est libre. Il appelle ça le plan libre. Et la cinquième est très intéressante, c'est celle de la Villa Savoie. Il dit on peut creuser un bâtiment, un volume pur, et à l'intérieur, comme ça, on aura des terrasses, des jardins, on est libre d'organiser la vie. Et c'est assez réussi à la Villa Savoie. De l'autre côté de l'Atlantique, il y a un personnage très important dans cette histoire, dont on parle peu en Europe, c'est Frank Lloyd Wright. Il est intéressant parce qu'il a fait des maisons avec justement des assemblages de volumes dès la fin du 19e siècle, autour de Chicago. Vous avez peut-être pu voir ça ou voir les images. Et il fera, 20 ans ou 30 ans après, il fera cette fameuse maison qui est très connue. C'est pour dire qu'il a été un maître dans cette idée que pour bâtir, pour faire une maison, pour faire un hôtel de ville, on assemble des volumes. Il y a un jeu avec les volumes. Vous voyez, c'est toute cette époque du XXe siècle qui est là-dedans. Vous voyez que ça ne ressemble en rien au Paris que nous connaissons, au Louvre, au mur, à la mode et nature. Là, c'est par Gropius, c'est l'image du Bauhaus. Vous voyez qu'il y a en bas, il y a trois volumes qui s'assemblent, l'assemblage des volumes. Ici, des dessins que j'ai faits en 64, peut-être 62, j'entrais à l'école des Beaux-Arts, je suis à Ronchamp, vous voyez, il y a des volumes, il y a même de la sculpture de volumes, et le premier bâtiment qui est devant, qui s'appelle les Murs Rondins, Le Corbusier a fait ces espèces de peintures en céramique que moi je trouvais formidables, dans un bloc de béton très, très simple, très sobre. Mais vous voyez, il a aussi joué avec les volumes. Mais là, on commence à sentir qu'il dit non, un seul volume peut résoudre tout le problème. Donc c'est l'unité d'habitation. Et il va commencer à faire lui aussi de la mode et nature en traitant les couleurs de ce volume. Vous voyez, là c'est à Chandigarh, la capitale qu'il a fait pour le Punjab en Inde. Et là, c'est bien justement Georges Candilis, que j'aimais beaucoup, qui travaille au Maroc et qui compose des habitats avec des grandes loggias extérieures. La cuisine donne sur une grande espace extérieur, et il construisait pour très très peu d'argent. C'était l'idée de pouvoir résoudre le problème de l'habitat collectif. Ici, vous voyez Niemeyer, c'est évidemment un maître dans cette composition sculpturale en volume. Vous voyez ici comment il a un art d'assembler une immense horizontale, deux rampes, deux verticales, qui sont tous les bureaux du Sénat, les deux grandes coupoles inversées du Sénat. Pour moi, c'est le chef-d'œuvre de l'architecture du XXe siècle. Mais là, la photo est un peu caricaturale, très très noire et blanche. C'est Camille qui l'a choisi. Il y en a beaucoup d'autres, mais vous connaissez déjà ça, vous l'avez choisi. Non, cette photo est belle. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Voilà, toujours Niemeyer. Et c'est Elisabeth qui m'a fait découvrir tout cela en m'emmenant à Brasilia. Évidemment, sur les papiers, j'admirais Brasilia et Niemeyer. Quand j'ai eu 16-17 ans, je me suis dirigé vers l'architecture avec l'idée qu'être un architecte brésilien, ça devait être quelque chose de formidable. Donc ça, c'est l'école. Et ça, c'est son musée qui est à Niterói, en face de Rio. En fait, ce travail, je vais dire, il y a tout ce travail sur l'architecture comme volume. Et puis il y a toute autre chose qui apparaît, et qui apparaît plus tard. On avait avec les volumes un certain lyrisme. Pourquoi je dirais que c'est un peu la vision du Sud, cette histoire de l'architecture de volume, de l'Égypte, de la Grèce, du néoclassicisme. Je cite une phrase de Le Corbusier, « L'architecture, c'est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière. » Vous voyez que ça évoque plutôt la Grèce que les pays du Nord. Et il va naître dans ces années, plus tard, dans les années 30, à la fin du Bauhaus, il va naître tout à fait autre chose. Il va naître quelque chose qui vient un peu de la phrase de Hannes Meyer que je vous ai citée tout à l'heure, qui dit « on ne se préoccupera plus des effets extérieurs ». Et bien justement,
Voilà ce que faisait ce monsieur qui a dit ça, on ne se préoccupera plus. Il était le maître du Bauhaus, il était assez sectaire, je crois qu'il condamnait les effets esthétiques. Comme Candilis me disait, attention au formalisme. Dans les années 60, c'était l'insulte pour un architecte, le formalisme. Celui qui fait des formes, il se prend pour un artiste capricieux, alors qu'il faut résoudre les problèmes. Et pour ça, il n'y a pas de forme à inventer. Il faut avoir des planchers, des parois, etc. Il va naître cette idée forte chez Hannes Meyer. Vous voyez des bâtiments de lui déjà assez anciens. Il va naître l'idée qu'au fond, on peut faire des grands objets unitaires. On n'a pas besoin de jouer avec des volumes. On peut faire, quand on a un problème, on peut résoudre par un volume. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est ce qu'a fait Mies van der Rohe. Et Mies van der Rohe était élève de Hannes Meyer au Bauhaus, puis il a quitté. Il a eu raison parce qu'il aurait été déporté dans un camp. Donc beaucoup des élèves du Bauhaus ont quitté pour aller aux États-Unis. Ils ont fait, le meilleur artiste était Joseph Albers, mais ils ont tous émigré aux États-Unis pour se sauver. Ils ont apporté une créativité extraordinaire aux États-Unis. Et Mies van der Rohe avait déjà fait des immeubles, des projets extraordinaires en Allemagne. Mais aux États-Unis, il fait ces deux bâtiments. En 51, Lakeshore Drive, qui est un grand complexe d'habitation au bord du lac à Chicago, il est à droite. Et en 54, le Seagram Building. La photo ici est un peu triste, mais il y a là-dedans, si vous voulez, un travail qui porte pour beaucoup, vous voyez, sur l'idée, on a une structure, on invente une façon de faire la peau efficace, on dirait aujourd'hui protectrice des UV, à cette époque-là, ils ne s'en préoccupaient pas trop, mais avec ça, on a l'architecture du siècle honnête qui ne s'embarrasse pas de fioritures. Je montre ceci maintenant parce que c'est très intéressant, c'est avant, c'est en 52, et là vous avez Harrison, l'architecte américain, et Niemeyer. Et Le Corbusier a prétendu que c'était de lui, c'est pas vrai, il a mis dans ses livres. Il y avait un concours, il y avait Harrison, l'américain, Le Corbusier et il y avait Niemeyer, les trois concurrents. Et Le Corbusier a téléphoné le soir à Niemeyer pour lui dire son projet avait beaucoup plu. Et Niemeyer avait une grande courbe qui avait beaucoup plu. Cette courbe qui est célèbre, qui fait l'identité de l'ONU. Et Le Corbusier leur proposait d'assembler leurs deux projets ensemble. Le projet de Le Corbusier n'était pas du tout comme ça. Mais Niemeyer l'a dit, et je l'ai entendu me le dire, parce que la seule fois que je l'ai vu, il a parlé, je lui ai dit, l'ONU, ça a dû être difficile. Il m'a dit, Le Corbusier était mon maître. Il nous avait appris les pilotis, la pureté, etc. Il vient à Rio, ils avaient fait un immeuble influencé par les idées de Le Corbusier. Et là, il m'a demandé qu'on joigne nos deux projets qui avaient été vus en commission. Et je n'ai pas pu lui dire non. Et il a dit, il a écrit après, Niemeyer, des années après, j'étais à Paris pour construire le siège du Parti communiste et la maison du Brésil. Et Le Corbusier faisait le pavillon du Brésil à la cité universitaire. On était dans un bistrot, et Le Corbusier me regarde, il me dit « Oscar, je t'aime beaucoup, tu es un homme généreux. » Voilà, ça voulait dire « Merci, tu m'as laissé mettre l'ONU comme venant de moi dans tous les livres. » Bon, je ne sais pas, je sors du sujet, là, je vous raconte une anecdote parce que je trouve... donc vous voyez, cette époque-là, et c'est une certaine grandeur, il y a la pureté de trames très simples, d'espaces très simples. Ça, c'est une des belles choses de Mies van der Rohe, avec la structure. Et quelque temps avant, vous voyez à droite, c'est avec sans intention esthétique, Le Corbusier sort ça qu'il appelle la maison domino. Il dit, on a des trames porteuses, on a des planchers, et avec ça, on fait ce qu'on veut. Et à gauche, c'est la version très esthétisante de Niemeyer, de Mies van der Rohe, de cette même formule. Je vais faire défiler quelques projets pour qu'on on comprenne bien que c'est le XXe siècle. Ici, c'est Jean Prouvé, en 1966, à La Défense, la Tour Nobel, une perfection. Et vous voyez, c'est le volume pur. Vous voyez, on n'est pas du tout dans les volumes et la sculpture. Un volume pur et un travail sur la paroi, sur les panneaux d'aluminium, sur le verre, sur l'isolation, sur la perfection des panneaux et les bureaux intérieurs, très agréables. Ici, très célèbre, Dubuisson, en 66 aussi, à Montparnasse. Et là, ils vont pas par le dos de la cuillère, on met tous les habitants dans un immense placard et la façade, elle exprime purement les fenêtres. Et
À l'époque, tout le monde y a vu un projet radical et élégant. Les gens ont estimé que c'était aussi élégant. Peut-être que pour moi, la dimension, si on multiplie ça dans une ville, ça devient beaucoup d'ombre, ça devient plus difficile. Je vous montre autre chose, beaucoup plus tard, en 1980, c'est Norman Foster qui fait la Banque de Hong Kong. Et ça devient pour la communauté des architectes dans le monde un peu le modèle. Et à ce moment-là, si vous voulez, on a, c'est notre histoire en France, mais c'est mondial, on a un peu deux tendances dans l'architecture pour cet aspect extérieur des choses. Vous avez à gauche un bâtiment fait par Michel Kagan en 1991 au bord du périphérique, du côté de Brunzo. Vous voyez, c'est là où il y a, c'est sur l'est de Paris, hein. C'est le bâtiment pour l'administration de la propreté, etc., de la ville. Il ne sert plus à ça aujourd'hui. Et à droite, vous avez un immeuble. La photo est un peu loin sûrement, mais de Dominique Perrault, à peu près pareil, 1990. Eh bien, par les architectes en France, et ça a été montré comme vraiment deux tendances. Les uns adoraient celui de droite et les autres adoraient celui de gauche et détestaient mutuellement. J'étais les architectes français, je veux dire. Hein. Il y avait toute l'école de Henri Siriani qui a été appelée après les néo-modernes, qui continuaient, comme Le Corbusier, à faire des jeux de volume. Et puis, il disait, ça, c'est le vieux jeu du vieux XXe siècle. Et notre maître, c'est Mies van der Rohe. Et donc, à droite, faire des volumes simples, avec une architecture, une structure qui porte le vert, très bien étudiée. Nous avions un bâtiment qui nous fascinait dans les années 60, qui est fait en 28 et 30, entre 1928 et 31, qui est la Maison de Verre de Charot, qui est une petite merveille, et qui était déjà dans cette idée de la simplicité d'un volume, de l'écriture d'une peau très, très pure, et qui ne joue que sur un seul volume. Alors, cette histoire et c'est une beauté par aussi la lumière qui est donnée par les pavés de verre. Elle est rue Saint-Guillaume, mais c'est difficile maintenant de rentrer dedans. C'est intéressant, je montre ici un dessin de Gottfried Semper, qui est un architecte de la fin du 19e siècle en Allemagne, qui était très important, et il a dit à un moment donné, finalement l'architecture, c'est un squelette, et puis c'est de la peau, c'est du vêtement, c'est des textiles. Vous voyez, là il dessine un assemblage textile qui est tendu entre des poteaux. Il disait, l'architecture, c'est et ce sera du revêtement. C'est intéressant parce que il était un peu prémonitoire. Beaucoup de gens ont dit, mais c'est pas le problème, C'est prémonitoire parce que on s'aperçoit que nos impératifs écologiques, nos impératifs de protection contre les ultraviolets, nous ont conduit à capoter, à protéger tout. On ne peut plus faire du béton sans le protéger pour qu'il ait une performance technique, et on ne peut pas laisser des poteaux en acier apparent sans qu'on les mette du plâtre dessus pour des raisons de feu, sinon ils vont se tordre. Et donc nous sommes obligés, presque toujours, de capoter, d'enfermer nos bâtiments sous des couches, de les rendre épais. Ce n'est pas toujours l'élégance idéale que l'on voudrait. On aimerait bien avoir un bâtiment plus pur. Et je reviens donc à Galéo pour dire, ben, le travail de Galéo, il est évidemment de cette époque, après les années 2000, je ne sais plus quelle année c'était donc 2008 par là. Et il y avait cette question de faire un bâtiment visible, comme je vous dis, puis il y avait aussi la question de protéger ce bâtiment et lui donner une bonne lumière. Ce que j'ai voulu faire, c'est ce que vous voyez à gauche, c'est avoir des grandes fenêtres, ce qu'on voit dans le dessin en haut, grandes fenêtres. Mais si je fais ces grandes fenêtres comme ça, je ne suis pas dans les clous au point de vue protection thermique. Il y a trop de fenêtres, donc trop d'UV, donc ça va chauffer à l'intérieur. Il faudra faire une climatisation d'enfer. Et c'est pour ça qu'on recommande de faire des fenêtres qui fassent peut-être 50% de la surface, mais pas trop, pas plus, pour avoir pas trop d'entrée de lumière. En même temps, on n'a pas une si belle lumière à l'intérieur. On revient à une chose du passé. Donc j'ai eu envie de faire le bâtiment avec des écailles de verre, ce que vous voyez en bas. Un manteau d'écailles de verre qui sont du verre sérigraphié. Ce qui fait que j'ai une atténuation très très importante des ultraviolets et une diffusion de la lumière, et que les grandes fenêtres qui sont sur le dessin en haut à gauche, ils étaient possibles. On peut avoir des grandes fenêtres avec une lumière plus atténuée. Du coup, on a une atmosphère plus agréable.
et une lumière qui pénètre plus profondément dans les planchers. Ici, vous voyez à droite cette double peau avec des coursives qui permettent de l'entretenir. Elle est en écaille pour qu'on puisse facilement nettoyer l'extérieur sans avoir une nacelle qui était compliquée avec cette forme. Donc on nettoie de l'extérieur chaque écaille. Je passe assez vite pour dire ici, comme vous le voyez, par rapport à ma petite théorie que j'ai fait avant, il y a les gens qui font les volumes, les gens qui font les structures et parois et peaux. Je peux dire que ici, en travaillant ce projet, cette conférence, je me suis dit, dans ce projet de Galéo, nous avons travaillé à la fois en volume, évidemment, et en même temps en peau et structure. Les deux sont présents. Ce n'est pas toujours le cas, c'est souvent utile. Et je me suis rappelé que quand j'ai fait mes premiers bâtiments, le château d'eau à Marne-la-Vallée, à Noisiennes, c'est aussi un volume et c'est aussi une peau, puisque j'ai proposé qu'il y ait une peau en treillage et avec la végétation qui monte. Et quand je fais, un an après, le concours pour la roquette, c'est un concours d'idées peut-être, mais pour les jeunes architectes, je fais une immense place à la place de la prison, une place qui est une grande pelouse avec des arbres. Toutes les habitations donnent sur ce jardin et les habitations sont recouvertes aussi d'une peau végétale. C'est pour dire que assez vite, on se préoccupe de volume et de peau. Avec ces deux projets, vous avez un qui est le totem, l'espace qui est marqué par un objet central, et là, au contraire, l'enceinte. On est au milieu, on est entouré par la construction, on est dans un espace qui est marqué. Alors j'ai souvent dit que ce sont les deux bases de notre lecture de la ville, le totem ou la clairière, l'objet ou au contraire l'enceinte. Ici, typiquement de la nature de l'objet volumétrique, du volume, c'est le bâtiment quartz pour Colas que j'ai fait donc ici, dans une des entrées d'ici depuis le périphérique. On était très heureux. Ce bâtiment était difficile parce que la parcelle, comme vous le voyez, est très étroite. Donc il a une forme de losange et on est arrivé quand même à faire des bureaux, des salles de réunion là-dedans qui marchent très bien. Et en même temps, c'était l'occasion de faire un signal visible, évidemment, qui est bon pour Colas et qui est un événement sur le périph', avec un travail donc typiquement de peau et d'assemblage, de murs rideaux, de tout cela. Donc nous sommes en volume et aussi un peu, ça suppose un travail très délicat sur la peau. Ici, on est à Séoul et c'est pour un bâtiment pour Dior. Et là, évidemment, on voit que c'est un travail sur le volume. Ce sont des volumes, ce sont 12 coques qui sont assemblées, qui sont fabriquées par un chantier naval, qui font 25 mètres de long, qui sont arrivées par transport spécial et qui sont montées ensemble et avec les vitrages, un peu comme on monte un grand élément d'aéronautique. Et donc là, on est vraiment dans le travail sur les volumes. La peau, elle est très simple. Elle a une petite résille. Et c'est une chose qui se retrouve dans le travail que j'ai fait un ou deux ans avant pour Cheval Blanc, pour le vignoble de Cheval Blanc, où les chais sont un travail sur le volume. Et ce volume, il a une rampe, vous voyez, qui permet de monter sur le toit et de découvrir un jardin d'où l'on voit tous les vignobles, tout autour, le paysage des vignobles qui est très, très beau, qui est presque commencé il y a 2000 ans. Les Romains étaient là. On voit le clocher de Saint-Émilion. Donc ce travail sur le volume était là essentiel. Je n'avais pas besoin de rajouter de la modernature ou de la peau, vous voyez. Donc ces deux directions de travail, pour moi, elles sont toujours présentes. Je pourrais dire quelquefois je choisis peau ou je choisis volume ou les deux à la fois. On rediscute évidemment sur les options. Ça s'impose assez vite. Ce n'est pas les choses les plus compliquées à hésiter, je veux dire. Et je vais montrer encore un bâtiment où le volume est important. C'est le premier grand projet que j'ai fait. C'est les hautes formes, c'est à Paris. C'est 210 logements, c'était un concours. Et je vais montrer ça. On voit à gauche, on appelle ça l'axonométrie, qui montre que je joue avec des volumes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 volumes, 7 objets assemblés. Et entre ces 7 objets, une place. Une place de 24 mètres de large. J'ai mesuré, j'habitais pas loin de là, c'était la même largeur que la place Fürstenberg, la rue Fürstenberg. J'ai beaucoup regardé dans des endroits dans Paris pour voir jusqu'où on pouvait aller en largeur et en hauteur. Mais c'est beaucoup plus haut,
Mais ça marche parce qu'il y a un bâtiment qui est plus bas, qui a 4 étages. Donc le soleil, là, vous le voyez sur cette photo, rentre très bien. Et le bâtiment de droite, il fait 6 étages, il est plus haut, mais c'est pas de ce côté-là. Je l'ai mis plutôt vers le nord-est et le sud-ouest où la lumière rentre éclaire cette place. Donc c'était un projet où il y a évidemment à la base un travail sur le volume qui permet de... Je suis arrivé à faire 15 logements de plus que les autres concurrents. Après, il y a un travail, on pourrait dire, sur la peau et la modénature parce que je dispose les fenêtres d'une certaine manière pour qu'il y ait un peu de recul, pour que les gens ne se voient pas tous entre voisins. Donc il y a un travail aussi quand même, mais c'est toujours de des volumes. On retrouve ici, au fond, les mêmes choses que je vous ai montrées des années 20, le Weissenhof. Je renoue avec un modernisme qui, puisque c'est fait en 74, 75, je renoue avec des choses qui ont été faites en 25, donc 50 ans avant. J'ai pas honte du tout. Je me dis pas que je suis un... Personne m'a dit, vous avez pastiché, etc. Non, c'était une façon de redire, on peut se retrouver sur des choses qui sont extrêmement belles et efficaces. Des années après, je suis à New York, je fais la tour prise, mais on a fait 3 tours à New York. Celle-là est peut-être intéressante. C'est à l'angle de 2 rues, sur Park Avenue et 28e rue. Vous voyez à droite les assemblages des volumes. Je travaille aussi en volume, là, on ne voit pas très bien. Mais entre... Parce qu'on a oublié de mettre un plan, je crois. Mais enfin... on comprend quand même très bien à gauche qu'il y a un volume qui est divisé en 2 et que ces volumes, je n'ai pas voulu qu'ils touchent les autres immeubles de l'îlot. J'ai fait des sortes de pavillons entre le volume principal et l'îlot, j'ai fait des sortes de pavillons. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que toutes ces angles et ces pointes font qu'il y a beaucoup de séjours qui ont une vision longitudinale sur Park Avenue et sur la 28e rue. Et sinon... Vous avez votre fenêtre et vous avez en face des bâtiments très hauts, vous avez un mur de fenêtres devant chez vous. Et quand il y a un angle dans la pièce et que je mets la fenêtre comme ça, je vois Park Avenue dans la longueur. Du coup, on voit un peu en biais, mais on voit 500 mètres. Alors c'est agréable de voir dans la longueur, on voit la rue tout entière. On n'a pas du tout la même perception fermée par la rue. Alors c'est pour ça que j'ai fait ces angles et ça a une efficacité évidente à l'intérieur. La pièce que vous voyez là à droite, il y en a comme ça beaucoup. Et sur l'angle, par le jeu des volumes, j'ai dédoublé l'angle. Il y a 2 angles qui se chevauchent, donc il y a un immeuble. Il y a un séjour là, puis il y a un autre appartement qui a son séjour à côté et qui ne se gêne pas. Pour vous dire que le travail sur les volumes, c'est souvent aussi la vue et la lumière, le dégagement de la vue qui nous intéresse. Et que on ne peut pas faire avec les grandes structures qui sont toutes d'une pièce. C'est pour ça que vous sentirez dans le travail que je vous montre que je suis plutôt volume quand même que les grands trucs de Mies van der Rohe, parce que je trouve que la ville de demain, on n'a pas très envie que tout monte à 100 mètres de haut. On a envie de vivre à une hauteur raisonnable où on voit. Alors je trouve que on peut monter facilement à 11-12 étages, ça va. Quelques endroits, on peut monter un peu plus haut. Ça permet de faire des jardins, ça permet d'être plus efficace en densité. On a besoin d'éviter que la ville s'étale indéfiniment. Donc il faut arriver à trouver. Donc souvent on me dit, vous êtes pour ou contre les tours? Et je dis, je suis pour les petites tours. Les petites tours qui sont entre 10 et 20 étages, puis d'autres à côté, d'autres bâtiments qui ont 4-5 niveaux. Vous voyez, on va progressivement. Les petites tours, s'il y en a pas mal, on arrive à une très belle densité, on arrive à faire entrer le soleil, et on n'a pas besoin des très grandes tours. Bon. Ici, pour finir, mais c'est... Je vous montre quelques projets. Quelques-uns qui sont en cours, quelques-uns qui sont finis. Celui-là, c'est le Grand Théâtre de Casablanca. Et je ne vais pas montrer l'intérieur, la fonction, la salle, etc. Je continue sur mon truc un peu superficiel, de vous montrer l'approche des extérieurs. Parce que c'est le thème de cette conférence. Alors, c'est un peu une trahison de montrer des projets où je vais montrer que l'aspect extérieur, mais c'est un peu le jeu. Ici, on est sur une très grande place, très belle, faite par Lyautey, il y a un siècle. Avec Prost, le grand urbaniste, avec Marius Boyer, un architecte formidable, qui ont fait cette place, qui ont fait ces 2 bâtiments que vous voyez, le palais de justice et la Wilaya, qui sont des merveilles. C'est toujours parfait.
L'air traverse, c'est écologiquement formidable. Il y a des cours, des jardins, les courants d'air, c'est adapté au climat. Il y a une attention à l'architecture arabe, mais qui n'est pas du pastiche. Ils ont interprété avec une certaine pureté. Vrai, c'est des bâtiments qui sont méprisés par les histoires de l'architecture parce qu'ils ne sont pas modernes, ils ne sont pas non plus dans la catégorie Beaux-Arts 19e siècle. Vous voyez, ils sont faits pendant la guerre de 14. Et il a été organisé un concours pour faire un grand théâtre sur la quatrième côté de cette place. Et là, sur l'image de gauche, vous voyez l'autre bout de la place qui a été ornée de deux bâtiments longitudinaux qui ont une grande ordonnance que vous voyez à droite et à gauche. Sur l'image de droite, est très très déformée. Ça paraît très très large. En fait, c'est une place qui a 120 mètres de large, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas aussi large parce qu'il y a un grand angle, je ne sais pas. Mais ça vous montre que la place est une chose importante. Et c'est l'autre côté des palais que j'ai montré. Difficile pour le moment encore de montrer les deux ensemble, mais on y travaillera. Et dans le fond, le projet était de construire, c'était un concours où il y avait les Zahadid et les Frank Gehry et tout ça. Et ils m'ont tous dit, mais on ne sait pas comment faire, nous, architectes modernes, une place avec une telle symétrie. Vous voyez, ces bâtiments à droite et à gauche imposent une symétrie, comme la situation de Saint-Marc à Venise entre les procurati. Il y a une espèce d'engagement, c'était difficile. J'ai pensé résoudre l'affaire en faisant un travail sur plusieurs pavillons, plusieurs volumes, et pas simplement un volume. Et puis j'ai fait une porte géante. Et cette porte, elle avait l'idée qu'elle accueillerait des scènes pour faire des théâtres sur la place avec 6000 personnes. Ça a plu aussi, cette idée-là. La porte, elle est ouverte, entrouverte, on entre selon les heures, et ce n'est pas fini. On termine ce bâtiment, et peut-être on le termine en septembre. Donc je pourrais vous montrer des photos plus récentes. Mais l'important est que cette grande porte, avec évidence, répond au palais de justice que vous avez vu tout à l'heure, qui a aussi une grande porte, et qui est à 300 mètres de là. C'est ça qui fait l'unité, que la place, tout d'un coup, elle est évidemment rassemblée. Et que les essais des autres concurrents, qui ne voulaient pas marquer une porte, peut-être, n'arrivaient pas à donner une unité à ce lieu, et je voulais qu'on finisse, en quelque sorte, le travail de Lyautey. J'étais étonné et fier que les Marocains, que le jury marocain choisisse un Français, parce que nous avons le poids d'être les anciens colons, les maîtres du protectorat. Et en même temps, et j'avais aussi cet écho qu'il y avait un attachement très grand à cette place. Que la population qui vient là, tout le temps, tous les soirs, il y a beaucoup de monde qui vient discuter, etc. Et donc ça veut dire qu'il y a un peu quelque chose comme l'identité de Casa, elle est en partie dans ces bâtiments faits par Marius Boyer et Prost. C'est intéressant. Ça raconte beaucoup de choses. Donc là, c'est une vision du projet en cours de réalisation. Et la grande porte est en train d'être finie. Elle est fermée, là. Elle est en position fermée, ce qui est assez sévère. On refait toute la place, on transforme les pavés, etc. Et voilà cette fois des images, mais ça commence à être comme ça. À gauche, on voit la porte. On voit sous les pavillons de droite, il y a un café-librairie. Et il y en a un autre de l'autre côté pour animer cette place. Vous voyez à droite ce que c'est qu'avoir une scène à 2-3 mètres de haut dans le grand porche qui devient ouvert pour 6000 personnes, comme je vous disais, qui va. Voilà la porte et les côtés en construction. Et voilà, quand on entre, on a ce que vous voyez à gauche, c'est toute une entrée qui vous conduit au théâtre. Alors là, je me retrouve avec le directeur de Casa Aménagement, qui dirige, qui est le maître d'ouvrage de ce projet. Et là, vous voyez aussi que quand on entre, on retrouve une autre logique de volume qui se croise, de passerelles, d'escaliers, d'ascenseurs qui permettent de monter dans les deux théâtres, dans les deux salles de théâtre. Et là, c'est pour vous indiquer aussi que les autres côtés de ce théâtre, sur l'arrière, ben, ils ont des grands éléments sur les cages de scène. Vous savez que c'est très haut, que vous voyez là, la cage de scène de la grande salle, il y en a une autre de l'autre côté. Et les lieux qui reçoivent les décors, dans lesquels il y a toute une organisation. Et donc ça a conduit à toute une volumétrie, où, là encore c'est un travail de volume, qui répond au quartier. Il y a des rues qui passent en bas, là, et ça répond évidemment à la blancheur de Casablanca. Dans certains cas, on a été obligé, conduit, à travailler en
Pau. Ici, c'est la transformation d'un bâtiment qui existait pour Air France, que le monde a voulu travailler pour changer. Et l'écran, il est là pour permettre de limiter l'entrée des UV qui était très forte à l'intérieur de ce bâtiment. C'est pour dire qu'il y a des bâtiments comme ça, celui-ci aussi, où le travail sur limiter l'entrée des UV a conduit à du verre sérigraphié qui limite. Et je l'ai organisé en plus en beau window pour les chambres d'hôtel, qui permet de voir à la fois l'Arc de Triomphe et la place des Ternes depuis les chambres, et qui donne une volumétrie très particulière à l'extérieur. Mais vous voyez, à la base, c'est parti comme une sorte de peau. J'avais commencé juste par des légères ondulations verticales, sachant qu'il faudrait quelque chose qui protège. Et l'architecte des bâtiments de France qui régnait sur cet endroit me dit: je n'ai pas le droit de laisser ce bâtiment se faire. À 500 mètres autour de l'Arc de Triomphe, il faut que tout soit en pierre. Mais ce bâtiment est créatif, je ne suis pas là pour empêcher, donc je vais l'autoriser. Vous voyez, il y avait un intérêt, j'ai fait une super mode des natures, en somme. En face, il y a le Céramique Hôtel, qui est un ouvrage art déco, qui est aussi, pas art déco, art nouveau, qui est en vague de céramique. J'aurais dû le montrer la photo là, mais... Et là, je ne sais pas si je deviens un peu trop long, là, si je peux continuer. Ça va. Quelque chose qui m'a intéressé de vous montrer, c'est qu'il est venu petit à petit dans la réflexion, un travail sur ce que j'ai appelé les briques perforées. Vous voyez, j'ai travaillé beaucoup sur l'îlot ouvert, comme aux hautes formes. C'est le quatrième dessin en partant du haut. C'est un îlot ouvert, c'est-à-dire que vous avez plusieurs volumes qui sont entourés de quatre rues, qui permettent de faire des rues, mais des rues dans lesquelles il y a des ouvertures et de la lumière qui va rentrer, et puis des bâtiments différents, parce que souvent, il y a différentes fonctions. Il est un peu fait avec des bâtiments un peu triangulaires. En vérité, ils sont souvent beaucoup plus rectangulaires, c'est vrai. Et ce que je montre en dessous, c'est un projet fait pour une bibliothèque avec Elisabeth, pour le concours de Montréal, la grande bibliothèque, et où vous avez des volumes qui ont l'air d'être dans un aquarium. Vous avez un bloc de verre et il y a des volumes dedans. J'ai mis quatre couleurs. Et en fait, je me suis aperçu que je creusais un volume simple. Donc là, je reviens au volume simple de Miss Van Der Rohe, pur. Et je me dis, dedans, on va faire des volumes. On va avoir la richesse du travail en volume. Donc c'est pour ça que j'ai appelé le brique perforé, parce que je me suis souvenu que quand j'avais 15 ans, j'allais dans une briqueterie à Rennes, pas très loin de chez nous, et ils me donnaient des briques non cuites. Je les ramenais à la maison et je les sculptais. Donc c'est le premier et le deuxième dessin en partant du haut. Le deuxième, c'est la brique que j'avais trouée. Vous savez, c'est des briques qui ont ces six cavités cylindriques. Et quand vous les trouvez, vous découvrez un monde intérieur. Je m'amusais beaucoup à sculpter comme ça en creux. Et j'ai relié ce travail-là à l'idée de la brique perforée. Et il y a des projets que nous avons faits qui sont sur ce modèle. En haut à droite, c'est celui de Montréal. Et en bas, il y avait les pavillons pour la librairie permanente. C'était ouvert 24 heures sur 24. Ce serait long de vous expliquer ce que nous avons fait avec Elisabeth sur cette vie du projet qui est à Montréal, où 6 mois par an, il faut vivre sous terre. Donc là, le réseau des espaces souterrains arrivait en dessous de ce niveau dans ce bâtiment. À gauche, c'est un travail pour l'Opéra de New York. Et à droite, en bas, c'est l'hôtel de région de Lyon. Ce sont des bâtiments où il y a un grand espace intérieur qui est habité par plusieurs types de volumes, avec des escaliers, avec des rampes. J'aime beaucoup ça parce que ça donne une vie intérieure qui peut distribuer différents locaux. À Lyon, ça distribue 40 000 mètres carrés de bureaux. Il y a toute une vie intérieure, un paysage intérieur qui est né. Et ici, à Rio, c'est un peu différent parce que le volume extérieur, il est un peu abstrait. Il est marqué par deux grandes dalles, deux grands plans horizontaux, entre lesquels il y a des voiles de béton qui protègent les salles de musique à l'intérieur. Donc c'est une bonne isolation acoustique. Mais là, à la différence de Montréal, je n'ai pas besoin de faire du verre, puisqu'il fait beau et que la toiture, elle protège du soleil et de la pluie. Donc là, c'est des recherches sur ce projet. Et là, des visions à l'intérieur, si vous voulez. Ça donne un intérêt. Et là, on voit le dehors tout le temps. Et ça donne une richesse de volume intérieur et une facilité
de desservir différents bâtiments. C'est différents bâtiments qui sont réunis en un seul, si vous voulez. C'est ça qui m'a plu dans ce type de travail, avec des voiles en béton un peu courbées, un peu cylindriques, qui permettent de contenir les salles et en même temps d'être relativement faciles à construire. Il y a un travail sur la peau aussi, parce que ces voiles de béton, on a beaucoup travaillé en faisant des essais pour avoir ces espèces de lignes qui font comme des pierres. C'est venu d'abord par des essais, puis j'ai dit c'est beau, on va les garder, puis on essaye de faire ça. Donc le coffrage, pour aller très vite, il s'appelle le coffrage glissant. En France, ce que je connaissais, le coffrage glissant, on n'utilise que pour aller à toute vitesse, et c'est un béton très laid qu'on fait. Ça monte comme ça, dès qu'on est coffré, hop, il y a un coffrage qui monte, ça fait des résultats assez laids. Et là, l'entreprise, parce que le maire n'a pas donné d'argent pendant un an, le chantier a duré, il a eu le temps de faire beaucoup d'essais, et on est arrivé à quelque chose de très plan, où les différents, si vous voulez, niveaux du coffrage qui montent font ces espèces de lignes. Et j'ai adoré ça. Ça donne une matière à ces murs qui est exceptionnelle. Une matière, vous voyez, une vie intérieure où on devine qu'est-ce que c'est. C'est du béton, c'est pas un... On a tous à cœur de ce que la matière aussi raconte quelque chose. Donc, quand j'ai dit modénature, on adore quand il n'y a pas besoin de modénature, que la matière elle-même, elle a une vie. Vous voyez ? Donc c'est pour ça. Alors que ici, je suis en Europe, à Luxembourg, il faut se protéger, c'est très compliqué, et c'est une salle de musique. Et j'ai eu, avant même d'aller là-bas, c'est sur le plateau du Kirchberg, où il y a les institutions européennes, et c'était entouré de meubles vraiment très laids, le bâtiment Robert Schumann, des choses faites dans les années 70, mais vraiment ingrates. Et je me disais, au milieu, il y a une place triangulaire, dessinée par Ricardo Bofill, et je me suis dit... Il faudrait que ce bâtiment, on puisse en faire le tour. C'est pas facile pour un théâtre, parce qu'il y a toujours un arrière du théâtre qui est assez ingrat. Je l'ai installé l'arrière dessous en faisant une sorte de pente. Donc les entrées dans la scène se passent. Et j'ai dit, je voudrais que quand on entre, on traverse un rideau d'arbres très verticaux pour oublier cette ambiance bureaucratique qu'il y a autour. Arrivé sur place, j'ai vu que c'était impossible. Il y a des parkings, il était impossible de faire... un rideau d'arbres, mais c'est devenu l'idée de la façade. Et j'ai commencé des façades où il y a des tiges. Et les tiges étaient aléatoires, un peu inclinées. C'était très beau. Mais un jour, avec nos nouveaux appareils, Jean-Charles Chollet, je lui dis, essaye vertical. Et il fait les tiges toutes verticales. Et en bougeant, comme j'avais mis 4 épaisseurs de tiges, 3 épaisseurs de tiges sur un tracé parfait, en bougeant, il y avait tout un jeu très intéressant, très musical au fond, de ces rythmes qui se déplacent légèrement quand vous marchez autour. Alors j'ai gardé l'idée verticale, mais l'idée des tiges croisées est devenue très à la mode, elle a été publiée, et beaucoup de bâtiments sont partis sur les tiges un peu croisées. Alors ça donne, si vous voulez, quelque chose qui est à la fois un travail sur le volume, pour revenir à mon thème volume, un travail sur la peau, vous le voyez, puisque ces rythmes est une sorte de peau. Mais c'est aussi une structure, puisque de ces piliers, ils ont 4 fonctions selon lesquelles. Certains sont porteurs de la toiture, d'autres font écouler l'eau de pluie, d'autres tiennent la menuiserie, ce sont les mêmes tubes mais derrière la première rangée, et enfin, d'autres font passer l'air pour le chauffage ou le rafraîchissement. Ils sont les tubes de climatisation. Donc c'est toujours le même tube, et les 4 fonctions dont on a besoin, structure, porter, peau, porter le verre, et puis rafraîchir, sont intégrés dans le même système de tubes. Voilà. Et puis, ce qui est drôle, c'est que j'ai pensé... Alors là, vous voyez des vues de l'intérieur, mais ce qui est intéressant... Là, c'est des vues de nuit. Je ne vais pas vous raconter tout, parce qu'il y a une deuxième façade qui protège la salle. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Et ça, c'est un autre projet. Mais à l'intérieur, on a une lumière diaphane, pure, et on ne voit pas trop les bureaux autour, on ne voit pas trop l'extérieur, sauf si on se met en face. Alors là, on peut voir. Mais quand on marche dans ce grand foyer, on ne voit pas tout ça. Donc c'est ça qui était intéressant. Un autre bâtiment qui est en volume, c'est le musée Hergé. Nous allons fêter lundi et mardi prochain les 10 ans de ce projet. Et là, je voulais dire, c'est un musée, j'ai vu à un certain moment qu'il y aurait toute une organisation interne à faire, avec les salles qui sont fermées pour protéger les dessins d'Hergé, et puis j'ai voulu qu'il y ait un grand espace
dans lequel baignent ces salles. Donc on est encore sur le type brique creusée, sauf que la brique, elle est un peu cassée, là, elle est un peu en losange. Et l'idée, c'est que les grandes baies, ils indiquent un peu les cases de la bande dessinée. Et c'est ce qu'on voit là, en vision nocturne. On voit un paysage à l'intérieur et on voit des cases. Et quand on entre, on a tout un paysage de volumes, on se promène dans un paysage. Et il y a 4 volumes qui reprennent chacun des thèmes du graphisme d'Hergé pour un album ou un autre. Le secret de la licorne ou Tintin et en Amérique. Et donc c'est des couleurs et des traits qui sont agrandis. Et puis il y a des passerelles qui permettent de conduire aux différents endroits. Et on voit le bois. Le projet est installé un peu auprès d'un bois. C'est à Louvain. C'est une ville qui est construite sur une grande dalle piétonne. En dessous, il y a les parkings. Et j'ai ce que vous avez vu tout à l'heure. C'est une passerelle qui va depuis la ville et la dalle et qui va jusqu'au musée. On peut entrer par là. Et c'est dans un bois très ancien, un peu échoué comme un bateau. Et l'endroit en damier, c'est l'ascenseur. Alors on monte l'ascenseur et à partir de là, il y a tout un circuit qui passe dans les différentes salles. Et l'intérieur des salles, il y a tous les dessins d'Hergé, les maquettes, tout le travail. C'est exposé par un spécialiste de celui-là qui s'appelle Jos Farté, qui est très connu. Et donc je lui ai dit, tu vas faire l'installation d'Hergé. Et moi, j'ai fait cette sorte de structure extérieure, structure intérieure entre les volumes. Voilà. Pour finir, je montre un projet qui est en construction en ce moment, qui va se finir l'année prochaine, et qui est à Suzhou. Suzhou, c'est une ville qui est à 150 km de Shanghai, auprès du plus grand lac de Chine. Il y avait un concours pour faire un musée, une salle d'opéra et une école de musique, au bout d'un axe. Et toute cette ville que vous voyez là, elle est représentée il y a 4 ou 5 ans. Mais quand je suis allé là-bas, c'était une immense plaine. Une immense plaine il y a 8 ans. Et aujourd'hui, c'est déjà comme ça, c'est toute une ville et il y a déjà des milliers d'habitants. Ça va à une vitesse folle. Et il y a un axe que vous devinez, et j'ai voulu que le projet, qui consistait à faire 2 bâtiments, soit un peu comme un seul bâtiment. D'où il y a ce ruban qui franchit l'axe piéton, et qui fait que depuis le lac, mais aussi depuis la ville, on soit attiré par le croisement de ces 2 bandes qui se croisent, qui, arrivé sur place, abrite de la pluie, vous font découvrir le lac comme une immense fenêtre qui fait quand même 40 mètres de haut. Vous devinez des personnages sur l'arc en haut, c'est parce qu'il y a un cheminement protégé par des grandes allèges de verre pour que personne ne saute, mais il y a un cheminement pour venir se promener, découvrir le lac et la ville et ressortir de l'autre côté. Alors comme j'ai toujours dans le thème les volumes, les structures, les pots, je n'ai pas raconté toute la vie intérieure de ce bâtiment, je suis toujours dans cette chose qui est le titre de la conférence, qu'est-ce que nous verrons de la ville ? Là, déjà, des gens se promènent et ils voient le chantier. Et il voit déjà un petit peu cela, vous voyez que ce ruban est en train de se construire, ça va assez vite. Les Chinois sont impressionnants parce que chaque année, je vois qu'ils arrivent à faire plus précisément. Et tout l'été, aucune technique maintenant ne leur est étrangère. Je suis certain que cela n'aurait pas pu exister à 15 ans. C'est-à-dire cette bande que vous voyez là, elle est une surface gauche qui se plie sans arrêt. On l'a travaillé avec Ovarup, qui est un grand bureau d'études anglais, un des meilleurs du monde, mais c'est la structure de Shanghai de Ovarup qui l'a fait, et il n'y a pratiquement que des Chinois dedans. Donc si vous voulez, maintenant ils nous appellent encore, mais dans 3 ans ils diront on n'a plus besoin d'architectes étrangers, on a assez en Chine. Donc vous voyez cette construction du ruban, et vous devinez cette construction. Une chose qui me fait peur, c'est que tout est très grand. Là, ça fait 450 mètres de long. Donc j'essaye, partout où je peux, de trouver des... Je n'ai pas le temps de le montrer maintenant, parce que ce n'était pas le sujet, mais à l'intérieur, de retrouver des éléments de familiarité et de dimension qui fait qu'on n'est pas perdu comme dans un immense aéroport.
Mais c'était la dernière vue et je vous remercie. Merci beaucoup. C'était passionnant. Passionnant parce que vous nous avez donné un contexte historique, chronologique de l'archéologie et avec de nombreuses photos, merci Camille, qui nous ont fait non seulement voyager, mais qui nous ont permis aussi de prendre un certain recul pour pouvoir réfléchir à notre ville d'aujourd'hui et à celle de demain. Et je pense que c'est important. Et je retiens particulièrement ce que vous avez dit sur la rue en début d'intervention. Je trouve que c'est intéressant. On parle des volumes, hein, bien évidemment, de l'architecture, mais de tous ces espaces et notamment de la rue qui font que les gens, à un moment donné, se rencontrent. Et c'est comme ça, et avec nos architectes qui sont déjà intervenus, qu'on peut mettre aussi l'humain au centre de votre travail, hein, et des projections que vous faites. Alors moi, j'avais une question à vous poser, et on se la posait à quelques-uns l'autre fois. En tant qu'architecte, quand vous avez un projet à mener, ça se passe d'abord dans votre tête, et puis ensuite, vous commencez à travailler, ou ça se fait dans un sens différent? Vous parliez tout à l'heure des objets, des espaces. Voilà, j'avais cette interrogation. Je crois que ça se passe dans la tête, on essaie de s'imaginer, dans une déambulation sur le lieu, dans une écoute des gens qui veulent ce bâtiment. On essaie de cerner leurs hésitations, qu'est-ce qui a l'air de les inquiéter, qu'est-ce qu'ils ont vraiment, qu'est-ce qu'ils vont aimer avec ça, qu'est-ce qui leur manque. Souvent, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que le site est vraiment compliqué, qu'il y a un accès qui est tordu. Il faut sortir de là, trouver une échappatoire. Quelquefois, on renverse tout et on trouve une solution. Donc souvent, il y a quelque chose qu'on recherche, ce qui fait problème, ce qui ne va pas bien. Pas seulement... Et dans tous les sites, il y a quelque chose à regarder autrement. Il y a des sites qui sont tout simples, celui de Cheval Blanc, je suis au bord d'un petit château, il n'y a pas de règlement. Bon. Mais beaucoup d'autres sites sont complexes. Et je fais assez vite des croquis avec l'équipe, on fait des petites maquettes. Quelquefois on a 3-4 maquettes parce qu'il y a différentes options avant de choisir la bonne. Et puis on a un peu le trac. De s'être trompé ou non. À un moment donné, on est assez... C'est le projet qui vous porte, vous vous dites ça, je crois que c'est la bonne solution. Elisabeth me dit, elle dit souvent que quand elle est sur un concours, elle sent que c'est vraiment le meilleur truc. Elle a une... Moi, je suis peut-être plus hésitant, plus pessimiste, et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas autre chose, une autre façon de faire, etc. On peut se faire du mal, hein. C'est concours souvent en plus. Donc on peut, si on hésite trop, il faut trancher à un moment donné. Ces concours, il y a toujours un délai, c'est toujours un peu plus court que ce qu'on voudrait. En même temps, si c'est plus long, on dépense plus d'argent et on finit par faire faillite. Je me souviens quand même que de 90 à 93, on faisait 5 concours par an, on en a fait 15 d'affilée sans que ça marche. À chaque fois, on disait non, c'est bon, le suivant, on avait la confiance. On avait trop la confiance, vous disiez. Et non, il y a une part de chance. J'aime bien aussi quand il n'y a pas de concours. Et j'aime bien quand il n'y a pas de concours et qu'on a la possibilité de parler avec le commanditaire, l'utilisateur. Parce que là, vraiment, on sent qu'il nous donne des idées. Il regarde et son avis devient vraiment constitutif. Ça, c'est agréable. Donc c'était le cas dans certains projets. Et c'est pas toujours des concours. Le musée Hergé, par exemple, c'était une discussion avec Nick et Fanny Rodwell. Fanny est la veuve de Hergé. Et Nick voulait lui offrir ce musée. Nick s'est démené à obtenir beaucoup d'argent avec les produits dérivés de Tintin. Il a été détesté dans un certain milieu parce que tous les gens qui font des t-shirts avec Tintin ou des fusées
de menuisier qui fait des fusées. Il a dit, bah, écoutez, c'est pas votre truc, il y a des droits à payer. Ben, il a amassé beaucoup d'argent et qui a été entièrement mis dans ce musée. Il n'a pas fait. Et c'était Fanny qui voulait qu'il y ait un musée qui consacre Hergé comme grand artiste. Je crois que c'est réussi. Alors, il y a des cas où on n'est pas en concours, c'est quelquefois mieux. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être. Ça vous semblait clair alors? Oui. Comment ça fonctionne le verre sérigraphié? Ça sérigraphie le verre à la base, on enduit, c'est ça? Ou après, oui. On colle un filtre? Non, non. On peut aussi faire des films, c'est moins solide, mais ça a l'intérêt de pouvoir s'enlever. Par exemple, pour l'immeuble Le Monde, il y a une sérigraphie de lignes qui protège du soleil. Ça, c'est sérigraphie, c'est fait en usine, avec les écrans et l'acide de la photo, de la sérigraphie. C'est comme de la gravure, hein. On rend moins poli une partie du verre, ça fait une ligne ou une surface. Cette partie-là, elle est un petit peu, vous la connaissez, elle est translucide mais pas transparente. Et si on fait ça avec des lignes, on garde une certaine transparence, mais les lignes ont l'intérêt de protéger du soleil. Et si on fait avec un film, c'est la même chose est appliquée sur un film collant. Et donc, par rapport au Monde, il y avait un dessin d'une première page du Monde avec le dessin de Plantu qu'on a collé. Et là, le Monde s'en va, il va vendre cet immeuble. Il le vend à la banque allemande qui le possède, va le vendre. Donc, ils vont décoller le dessin. Et ça permettra de le vendre avec quelqu'un qui aura juste un écran blanc. Il y a aussi une autre technique que j'ai appliquée, mais c'est plus riche, plus cher, c'est de sabler le verre. Et là, c'est une projection de sable sur le verre qui le rend irrégulier, si vous voulez, en surface. Comme ce que vous, en plus gros, vous avez aussi les verres qu'on avait autrefois pour opacifier. Le verre cathédral, ça s'appelait. Et le verre qui est sablé, sa géométrie prend la lumière de tous les côtés et il y a plus de lumière qui traverse, c'est curieux. Le sablage améliore mais par contre on ne voit pas à travers. La sérigraphie fait plus écran, mais le sablage c'est idéal, seulement c'est plus cher. Vous pouvez savoir la lumière que vous passez selon le degré de sérigraphie. Oui, et on a fait des essais à New York avec des luxmètres. Pour ça que je vous dis que le sablage c'est bon. En face de la tour, je n'ai pas présenté ici, qu'on a fait pour LVMH à New York, il y a un immeuble IBM qui est tout noir, du marbre noir. Et donc ça assombrit énormément, l'immeuble est tout près, la rue, tout ça est très, très serré et haut. Les endroits où j'ai du verre transparent sur l'immeuble, on a toute cette luminosité noire, on a peu de lumière. Les endroits où c'est du verre sablé, la lumière qui est prise, elle vient de toutes les directions, donc du ciel aussi. Et du coup, il y a plus de luminosité avec le Luxmec derrière les endroits sablés. Alors ça, c'était pas écrit dans les livres, on l'a découvert comme ça en le faisant. Et j'ai pas eu des projets où il y a assez d'argent pour réemployer du verre sablé. Donc pour Bouygues Immobilier, ils sont quand même raisonnables avec l'argent, même si c'est leur siège, ils ont dit non, non, c'est bien ton idée de sablé, mais on va en rester à la sérigraphie. Donc on a fait de la sérigraphie. Et c'est pas mal quand même. Non, parce que non, jusqu'à présent ça a bien tenu. J'ai même fait un retournement. La sérigraphie pour les bureaux d'études était toujours employée en face 2, derrière, vous voyez, pour être protégée. Mais ça se voit moins qu'en face 1. Et ben, j'ai obtenu qu'on accepte des faces 1. Donc chez Bouygues Immobilier, c'est en face 1. Et du coup, à l'intérieur, ça fait la même lumière, mais à l'extérieur, on voit plus le blanc. Et je voulais que cet immeuble soit blanc, soit un aspect blanc. On est en train d'en faire un à Hambourg, pour comment s'appelle-t-il, Unibail, c'est drôle que j'oublie le nom. Unibail, d'ici les Moulineaux. D'ici les Moulineaux. Et le responsable, il déteste mes sérigraphies. Et je l'ai emmené dans 5 immeubles pour lui dire que c'est bien. Parce qu'à Hambourg, ils m'ont dit, on fait votre projet, le chef de l'urbanisme a dit,
On est ravis. Et surtout, faites-le vraiment blanc comme vous l'avez montré. Et le directeur de projet chez Unibail a un problème optique, je crois. Parce qu'à chaque fois, il dit, je veux pas tes sérigraphies. Et je l'emmène, il me dit, je vois rien, je peux pas voir dehors. Il veut que ce soit dégagé. Donc on a fini par avoir une zone sans sérigraphie qui fait comme des points sur la façade que je n'aime pas beaucoup. Mais sinon, il n'y avait pas de bâtiment. Ce sera bien quand même, je pense. Et je crois que lui, il a un œil qui a une vision extraordinaire à 5-6 mètres. C'est-à-dire que les lignes de sérigraphie, il ne voit que ça. Alors que nous tous, souvent, on a un paysage avec un petit voilage fin, comme ça. On voit à travers. Notre œil reconstitue. On voit le paysage très bien. Ça nous fait ce qu'on appelle un voile, si vous voulez. Et lui, il ne voit que le voile. Je crois qu'il y a un problème de distance. Et j'ai beau lui dire, il me dit non, je ne crois pas. Et tout. J'aimerais peut-être que on fasse des recherches optiques là-dessus. Parce que nous pouvons dire que tout n'est qu'une question de point de vue, peut-être. Point de vue, exactement. Et de physiologie. Ce que vous ne dites pas, cher Christian, c'est que votre immeuble chinois ou autre de Guillemot était vu par quelqu'un qui avait une très bonne vue. C'était le président de la Banque Postale qui était en face. Mmh. Et il m'a dit, cet immeuble est tellement beau qu'après il est passé président de la Poste et il vous a demandé de faire le siège de la Poste. Oui. Dans l'immeuble Leibniz. Donc de temps en temps, ça vous rapporte les immeubles sérigraphiés. Oui. Vous êtes modeste, mais quand même. Vous avez raison. Mais c'est en grande partie grâce à vous, vous l'avez amené à voir le bâtiment. Oui, enfin c'est moi. Oui. Vous étiez content que la Poste vienne là, non? C'est bien pour ici, les Moulineaux. Oui, c'est bien. Ils sont surtout, vous avez fait un très bel immeuble et les gens sont très heureux dedans. Bon. Pareil pour Colas. Ça me rassure. Toute cette rue Guynemer qui était minable, j'ai même été contre le référendum qui disait qu'il fallait entrer par la rue Guynemer. Et moi, je disais, vous vous déconnez complètement, il va y avoir le tramway. Donc le tramway aura toujours priorité, personne ne pourra entrer. Donc on peut sortir, mais pas entrer. Mmh. Oh là 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 là, 18 brumaires, dictateurs. Les commerçants étaient pour la sortie et les contribuables étaient pour l'entrée. Bon, alors j'ai. Voilà. Ah, le maire s'est énervé. Et maintenant, vous avez une rue Guynemer formidable avec SoftBank, un des plus gros investisseurs japonais, avec Nestlé, puisqu'on leur a refilé un vieil immeuble de Vipari avec un architecte italien d'ailleurs. Il paraît qu'il est intéressant. On va voir ce qu'il fait. Et à côté, vous avez le siège de la Poste, le siège de Colas, et on va construire, au point où on en est, un même shelter, etc. Enfin, on casse tout, quoi, dans le quartier, alors que personne ne voulait y aller. Et grâce à vous, ce quartier est devenu noble, et les gens disent, on y vit très bien. C'est formidable pour un architecte. Pour un maire, n'en parlons pas. Ah non, mais c'est ce qu'on peut avoir de plus heureux, quand on voit que ça marche après, qu'on retourne, que les habitants ou les gens qui utilisent sont contents. C'est vraiment ce qui nous revient avec un grand plaisir. Je vais vous raconter quelque chose de confidentiel. Quand on a inauguré les prémices de Colas, vous nous avez raconté une chose, et un maire, ou un adjoint délégué à l'urbanisme, écoute, vous avez parlé d'un pilier. Vous vous rappelez ? Mmh. On l'a découvert d'un seul coup. Toujours les ingénieurs qui se font payer et qui sont nuls, on a découvert dans le chantier un pilier. Mmh. Et le problème était, qu'est-ce qu'on fait de ce pilier ? La première solution, c'est le tailler. Et M. Porzamparc lui a dit, on va voir. Il l'a gardé, ce qui était un risque considérable. C'est emmerdant, ça change les plans, qu'est-ce qu'on en fait ? Et il est magnifique, ce pilier. Il est apparu coloré, je ne sais pas comment vous avez fait. Et moi, j'ai beaucoup apprécié qu'un architecte aussi prestigieux que vous s'investisse dans un pilier. Vous vous rendez compte? La merde, quoi. C'est un pilier. Eh bien, M. de Porzamparc, il ne démolit pas. La solution facile, c'est on casse.
un grand architecte réussit à utiliser ce pilier, à le valoriser, et dans l'immeuble, il est très beau. Je suis heureux de vous entendre dire, merci. Mais je dirais que on est tout le temps amené à résoudre des petites des choses qui oui, paraissent... on a tout le temps des pépins ou des ennuis oui. qu'il faut arriver à sauver. Ça, les mères aussi. Et vous, avez, vous connaissez ça. Vous faites le même métier. Donc. On fait un peu le même métier. Et donc, il faut... Et là, le pilier dont vous parlez, j'avais tout essayé avant dans l'étude. Et le bureau d'études est revenu. Et si on ne le faisait pas, ça coûtait une fortune parce qu'il fallait une dalle avec des renforts invraisemblables. Et que Bouygues disait non, soyez raisonnable, etc. On bloquait le chantier. Ouais. Donc il fallait trouver une solution. Donc très souvent, on a besoin de trouver une solution. Ce qui est très drôle, c'est qu'il est arrivé assez souvent que les entreprises ratent un truc et il faille trouver une sortie. Et je me souviens, sur la Cité de la Musique, ils avaient tout raté en bas dans le conservatoire, tous les murs, j'avais fait des très beaux murs autour du cloître, des grands murs de béton qui étaient légèrement teintés vert. Il devait être impeccable, comme Tadao Ando le fait, etc. Tout était raté. Et là, pendant 2 mois, notre équipe, on était tout jeunes, on a appliqué le truc. Bon, ben, c'est pas conforme au cahier des charges, donc vous démolissez. L'entreprise dit, oui, vous croyez vraiment? Et c'est dur de démolir 200 mètres de mur qui font 7 mètres de haut. Ça n'existe pas. Avec Elisabeth, nous avons un ami d'Elisabeth qui s'appelle Charles Bocara, que... Je me souviens, la deuxième fois que je le vois à Marrakech, et il me disait, je ne pourrais pas travailler comme vous en France, parce que vous avez des cahiers, vous changez. Moi, quand j'arrive sur le chantier, je regarde, ce mur, finalement, il ne me plaît pas, vous le cassez. Je reviens, et je reviens 15 jours après, et j'ai une autre idée. Alors, je refais autrement, je fais un autre mur. Alors, je dis, chez nous, ce serait impossible. Et donc, je dis à l'entreprise, il faut casser ce mur à la Cité de la Musique qui est mal fait. Et évidemment, c'est impossible, mais ça met une pression. On reste comme des naïfs, on dit, ben non, il faudra évidemment le casser. Et à la fin, j'ai dit, on va appliquer des plaques d'aluminium avec des lignes creusées dedans, et on va sabler. On passe ce qui a fait des lignes où le béton est sablé. Et cette alternance de béton lisse, béton sablé, a... intégrer toutes les saletés, les irrégularités qu'il y avait dedans. Ça a fait une vraie peinture. Sur 100 mètres de long, c'est devenu un tableau. Donc c'était une chance. Évidemment, on les sauvait d'une démolition qui était nécessaire. Donc quelquefois, il est arrivé que, justement, à cause d'un pépin, d'un truc qui ne marche pas, d'un pilier, on arrive à faire mieux. Ça, c'est les moments les plus amusants et les plus jouissifs du travail. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Nous sommes honorés par votre présence ce soir. Je vais me permettre de vous rappeler donc notre exposition de Raymond Depardon au musée de la carte à jouer et la prochaine conférence le 6 juin à 20h avec les sœurs Micou. Nous allons pouvoir nous rejoindre au rez-de-chaussée pour une séance de dédicace et boire un verre tous ensemble. Merci encore à tous. Je ne vais pas rester longtemps parce que je pars à 7h demain en avion. Oui. Parce que j'ai un permis de construire...